Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission qui va être dédiée aujourd'hui à la course au World Tour. Hein. Vous le savez, on aime bien avec Grégory faire des points réguliers sur la situation. Salut Greg. Salut Charles, salut à tous. Alors surtout, vous nous dites au niveau du son, parce qu'on a des soucis depuis quelques jours, depuis la mise à jour de mon Mac, donc si c'est trop fort, pas assez fort, surtout, n'hésitez pas à nous le dire. Alors Greg, on voulait faire un point cette semaine, notamment après les courses de la semaine passée, mais aussi le Tour de Man hein, qui s'est terminé mardi, sur ce classement UCI et cette lutte à 5 équipes. Alors est-ce que tu peux nous donner un peu, là je vous le voyez hein, sur mon écran, j'ai mis le classement effectué par JCB sur notre forum. Donc Greg, est-ce que tu peux nous tirer déjà un aperçu global de ce classement UCI ? Oui, alors dans les équipes en fait qui ont été un peu listées pour dans celles qui jouent un peu leur survie ou qui essayent de monter en UCI World Team l'an prochain, on a quand même Arkea qui fait un très gros début de saison et qui a marqué déjà plus de 1200 points depuis le début de la saison, ce qui est quand même assez énorme par rapport à leur total actuel cumulé sur les deux saisons dernières plus le début de la saison en cours, qui est de 9906 points pour déjà 1209 points marqués. Donc c'est quand même un très gros début de saison et c'est l'une des plus gros résultats en fait, toute équipe confondue. C'est pas seulement dans la lutte pour l'accession au World Team. On a Wanty, Intermarché Wanty qui fait un gros début de saison également, pas mal de bons résultats, des victoires aussi, et qui a plus de 9900 points également, qui est juste devant Arkea au classement global, à la 16e place du coup. Bike Exchange qui a priori n'est pas forcément ultra menacé, mais quand même... Il n'a marqué que 343 points pour l'instant depuis le début de la saison et qui du coup est à peine devant en fait au classement cumulé Intermarché, Wanty et Arkea. Mais a priori c'est une équipe qui n'est pas censée être menacée vu qu'elle a un certain Yates en fait dans ses rangs qui devrait rapporter pas mal de points sur les courses à venir. Mais enfin attention quand même parce qu'on n'est pas à l'abri de certaines surprises, notamment des chutes comme l'a connu par exemple Cofidis qui n'a pas forcément marqué énormément de points et qui attend un peu des résultats de Guillaume Martin et d'autres coureurs sur des fronts un peu plus tardifs. Mais par exemple, même si ça ne comprend pas les derniers résultats des courses qui sont terminées, on sait très bien que, par exemple, Yonis Aguirre est tombé hier et qu'il a abandonné en Algarve et que ça va être quand même un gros nombre de points qui vont être perdus potentiellement par l'équipe Cofidis qui se retrouve à avoir perdu quand même pas mal de points sur certains concurrents directs. Alors justement, Grégory, tu évoques Cofidis, qui est un peu mal parti, mais il y a aussi Lotto Soudal qui est une centaine de points derrière. Pour ces deux équipes, on voit que c'est compliqué, et j'entends des fois les gens qui nous disent « pas de conclusion hâtive », etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut aussi penser, comme on l'a déjà répété avec Grégory plusieurs fois, mais avec d'autres commissaires de course, que la course, justement, pardon pour la répétition, elle a lieu sur 3 ans. Donc là, on n'est pas juste au mois de février. En fait, on est au mois de février de la 3e année. Donc ça diffère un peu quand on a un aperçu global ou un regard global, en tout cas sur ce classement UCI. Et Greg, tu l'as très bien dit, en plus, Cofidis joue de malchance parce que
Elle est en retard, elle est un peu plus de 800 points de retard sur Israël première tech, pardon, et pas trek. Et en plus, bah ouais, Jon Izagirre a chuté, c'était la grosse carte de la Cofidis pour la Vuelta, le Tour d'Algarve, parce qu'il y a un long chrono qui l'aurait forcément avantagé et la montagne n'est pas non plus trop compliquée. Cofidis sera pas à l'UAE, Cofidis n'est pas la Ruta del Sol. Est-ce que tu pense que c'est de plus en plus mal embarqué pour les hommes de Cédric Vasseur. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils jouent de malchance en ce début de saison et qu'ils ont un gros handicap. Maintenant, forcément, c'est pas fini, mais j'ai un peu l'impression que ça va être un petit peu une forte dépendance sur les prochains résultats de Guillaume Martin. Et faudra voir ce que ça va donner justement. Mais c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas se focaliser sur un seul coureur pour jouer en fait le maintien en World Team. Forcément, ça joue sur le collectif, même si Guillaume Martin est très talentueux et qu'il va probablement faire, à mon avis, une grosse saison au vu de ce qu'il a montré sur ses premiers coups de pédale. Mais enfin, après, on peut jamais rien écarter. J'ai tout joué sur un coureur. Il suffit qu'il tombe, il suffit qu'il ait enfin des soucis dans sa préparation et forcément, c'est tout qui est remis en question. Donc oui, Bah, d'autant plus que j'espère. Grégory, si je reviens sur Guillaume Martin, vite fait, quand on regarde sa saison 2021 et les points de la Cofidis 2021, je crois que c'était 5 000 de mémoire, là-dedans, Guillaume Martin, il fait deux top 10 sur un grand tour, donc ce sera quand même compliqué d'aller faire mieux cette année. Ouais, tout à fait. Par contre, je pense que peut-être, enfin, je pense que sa saison sera peut-être un petit peu mieux organisée cette année. On verra bien, mais il a peut-être une chance de faire une meilleure saison cette année que l'an passé, en tout cas en termes de points UCI et non pas forcément en termes de résultats bruts sur la globalité de la saison. Mais il y a une chance qu'il soit aligné sur des courses où il aura davantage de chances de marquer de gros points UCI, parce que c'est vrai que un top 10 sur un grand tour, c'est honorifique, c'est très bien, ça marque des points UCI, mais ça marque pas forcément des énormes points UCI. Et ça On va occupe un dire coureur qu'il... pendant 3 semaines, Grégory, c'est vrai que c'est... Bah oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'entre terminer dixième du Tour de France ou gagner le Tour d'Oman, par exemple, bah ça, il y a une différence. Et enfin, c'est vrai que faut savoir cibler certains objectifs. Après, Guillaume Martin, c'est le leader de la Cofidis. Il est évident qu'il a la priorité sur les objectifs qu'il va cibler exactement. Et de ce côté-là, c'est vrai que ce serait quand même intéressant pour Cofidis d'avoir d'autres gars sur qui compter et aligner sur les fronts secondaires qui sont un peu pourvoyeurs de points, je dirais, faciles à aller chercher, mais et laisser Guillaume Martin justement aller chercher tous les résultats sur le World Tour notamment, que ce soit sur les classiques ou sur les grands tours. Parce que c'est vrai que sur les courses par étapes d'une semaine, dès qu'il va y avoir un contre-la-montre, il sera pénalisé. Mais pour finir sur la Cofidis, Grégory, est-ce que le problème justement, tu évoquais Guillaume Martin et les autres, c'est pas un... ben, il se situe pas au niveau de la densité et on le voit là quand on regarde le tableau que nous a fait JCB, entre parenthèses, c'est les points 2022. Quand on regarde, et hormis Bike Exchange, on s'aperçoit qu'au final, Cofidis, c'est l'équipe qui a le moins performé depuis le début de saison. Et tu l'as très bien dit, hein, Algarve, il n'y aura pas de points au classement général, il n'y a pas d'UAE. Donc on voit mal comment le total peut s'améliorer, en tout cas dans les 10 jours à venir. Est-ce que c'est pas ça, ouais, le problème pour finir là-dessus, ce problème de densité et le fait que déjà on était en retard en début de saison et qu'on continue justement à accumuler des points de retard? Disons que chez Cofidis, enfin, je dirais qu'il y a quand même un certain manque de leader en fait dans l'équipe. Et c'est une équipe qui a fait pas mal de paris pour cette saison et qui vont peut-être porter leurs fruits ou pas. On verra un peu plus tard. Mais enfin, c'est vrai qu'ils ont relancé Brian Cocquart qui fait de bons résultats pour l'instant. Mais d'un autre côté, ça reste des victoires d'étape et on aura besoin de leur côté de faire des gros résultats au sprint, en tout cas sur les courses d'un jour qui rapportent beaucoup plus de points. Mais ouais, c'est vrai que c'est encourageant d'un côté pour Cocquart et pour d'autres qui sont lancés un peu, qui sont des paris et dont on va attendre pas mal, comme Alexis Renard par exemple, ou un Valscheid qu'on a été chercher, ou comme Zinglé qui était né au pro en fin de saison dernière.
des gars qui pourront faire des résultats sur des courses d'un jour, des Coupes de France, des, même sur des classiques pour Valscheid peut-être, ou des contre-la-montre. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant d'un côté de partir avec du retard, mais c'est pas encore perdu pour autant. Mais clairement, il y a un manque de leader, en tout cas, dans, sur le papier, dans l'équipe. Alors, on va saluer G8G Vélo qui nous rejoint sur le chat, et justement, il rejoint ton commentaire, Greg, qui parlait de la victoire au Tour de Man de 100 points et 10e du Tour de France 175. C'est vrai que d'un côté, on a un gars qui court une semaine comme Yann Hirt et qui n'a pas une concurrence folle face à lui, et de l'autre, on a un Guillaume Martin ou un autre, hein, peu importe, qui passe 3 semaines à vraiment se battre comme un fou pour obtenir ce top 10 sur la plus belle course du monde. Et qui au final, en termes de points, rapporte beaucoup moins, 25 points de moins en tout cas. Chalupolska aussi qui nous rejoint sur le chat, hein, nos habitués. Alors pour continuer sur cette course au World Tour 2023, on va finir par Lotto Soudal, Greg. Lotto Soudal qui marche pas mal cette année, mais elle avait un énorme retard. Même s'il est encore un peu tôt, même question pour Cofidis, est-ce que tu les vois être capables de combler ce gap, sachant qu'il y a 1000 points avec Israël Premier Tech? C'est le problème principal déjà, c'est le retard qui a été accumulé en tout cas depuis 2 saisons maintenant. D'un autre côté, il y a aussi un souci au niveau de la densité d'effectifs. Déjà, il n'y a que 27 coureurs, et parmi ces 27 coureurs, il y a des coureurs qui sont uniquement dévolus au rôle d'équipier et qui en aucun cas ne marqueront des points UCI, en tout cas suffisamment pour être dans le top 10 de leur équipe. Et il y a des néo-pros dont on ne sait pas forcément ce qu'ils vont donner. On a des coureurs qui sont quand même assez vieillissants. Philippe Gilbert, ça reste un des leaders de l'équipe, mais on sait très bien que c'est sa dernière saison. On a Thomas De Gendt qui est un superbe baroudeur, qui est quand même un peu sur le déclin, mais justement, en tant que super baroudeur, il anime énormément les courses, mais d'un autre côté, il marque pas énormément de points UCI. Et c'est un peu, dans le même esprit que Cofidis, justement, on est quand même pas mal dépendant de 2-3 coureurs dans l'effectif. On est dépendant d'Ewan, on est dépendant de Tim Wellens qui marche pas mal en ce début de saison, mais comme chaque début de saison, et justement, on attendra une saison pleine de sa part, forcément, pour combler le retard. On a des coureurs qui ont commencé à percer l'an passé, comme Brent Van Moor, par exemple, qui est un super baroudeur. On attendra aussi une saison pleine de sa part. Et on a Van Gils qui a gagné le Saudi Tour un peu à la surprise générale et qui sera un coureur certainement à surveiller. Et on a notamment, sur les derniers résultats, on a le Belge Stef Kras qui était pas mauvais du tout et qui a mis un certain temps quand même à montrer un peu chez les pros ce qu'il savait faire un peu chez les espoirs. Et peut-être qu'avec peu de concurrence en interne, en fait, que ce soit pour les courses par étapes ou un peu les courses difficiles sans vraiment de très haute montagne, peut-être qu'il pourra tirer son épingle du jeu. Et si on joue le général, en fait, si on joue des top 10 sur tout ce qui est course d'un jour assez difficile ou tout ce qui est course par étapes d'une semaine avec un peu de montagne sans plus, ça, on peut facilement rapporter pas mal de points. Maintenant, ils ont un gros retard. Ouais, alors il y a une question, enfin une observation plutôt de Joël Hill qui est intéressante, parce qu'on parlait de densité tous les deux depuis le début de l'émission. Il nous dit qu'il n'y a que 10 gars qui comptent de toute façon. Alors est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui suivraient un tout petit peu moins, Greg, la course au World Tour, pourquoi c'est quand même important d'avoir une grosse, grosse densité et pas juste 10 mecs capables de scorer? Disons que en tout début de saison, on ne sait pas vraiment qui vont être les 10 mecs en question qui seront comptés dans le classement à la fin de la saison. Donc c'est vrai que c'est quand même important d'avoir plein de gars qui sont capables de scorer, peut-être pas non plus tout l'effectif évidemment, mais d'en avoir entre 15 et 20 capables de ramener des bons points, puisque chaque point est acquis en fait. C'est juste que si jamais le 11e de l'équipe se met à marquer pas mal de points sur une course, il éjecte le 10e, mais c'est juste la différence de points ramenée entre ce qu'avait le 10e avant la course et ce que le 11e a marqué sur la course où il a fait un bon résultat qui sera rajouté au total en fait de l'équipe initialement avant la course. Alors je voulais rajouter une observation, parce qu'on a fait un sondage justement en prévision de l'émission sur le site. Vous le voyez, il est à droite de votre écran, juste sous la petite fenêtre transfert.
Ce qu'on voit, les résultats, en tout cas, Greg, je te les donne, hein, parce que je ne suis pas sûr que tu les vois en même temps que tu es la page ouverte. La question qu'on a posée, c'est qui ne sera pas en World Tour en 2023? Et vous êtes 32% pour l'instant à dire Cofidis, 30% pour Lotto-Soudal. Et derrière, on voit qu'il y a un bel écart, parce que Arkea pour Samsic 20%, Israël Premier Tech 11% et Intermarché Antigobert 7%. Et il y a quand même 1474 votants, donc c'est quand même, Greg, assez significatif aussi de ce que pensent un peu nos lecteurs et nos auditeurs. Bah, c'est clair qu'avec le retard qui est pris déjà, c'est forcément, ils ne partent pas du tout avec la faveur des pronostics. Maintenant, c'est vrai qu'au final, le World Tour n'est pas encore commencé et va débuter avec l'UAE Tour. Donc, on va arriver sur une période où il y aura pas mal de courses normalement qui vont rapporter pas mal de points. Ça va être justement des fronts très importants pour les équipes qui sont menacées, notamment pour aller chercher des gros résultats. Mais d'un autre côté, forcément, avec des grosses courses, des gros plateaux au départ, forcément, il y aura de la concurrence. Donc, il va falloir vraiment briller. Et même les adversaires directs seront aussi à même de marquer des points en même temps. Après, à voir comment ça se passera. Là, c'est peut-être encore un peu tôt sur la saison, mais peut-être que sur la fin de saison, on pourrait avoir éventuellement des stratégies un peu curieuses d'un genre d'équipe en concurrence directe qui se roulerait dessus pour empêcher l'autre de marquer des points. Il faudra voir aussi. Ouais, il faudra voir, effectivement. Alors, pour finir sur cette course au World Tour 2023, puis après, je voudrais qu'on passe à un autre sujet qui est vraiment lié, c'est le classement des équipes Pro Team 2022, parce qu'on va vous l'expliquer. Il y a toute une espèce de micmac et ça va être aussi super intéressant à suivre, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Greg, juste la question que je t'avais déjà posée il y a 10 jours, je crois, quand on a fait la dernière émission. Est-ce que pour toi, et dites-nous aussi hein, sur le live ce que vous en pensez, est-ce qu'à l'instant T, tu vois toi aussi là, Cofidis et Lotto-Soudal descendre? Bah, moi, honnêtement, la toute première émission sur les points qu'on avait faites, il me semble que j'avais dit que Cofidis terminerait première de toutes les équipes qui étaient. Mais je crois que j'avais dit pareil, hein, donc c'est bien planté au début. Du coup, c'est compliqué parce qu'ils ont quand même accumulé pas mal de retard. Maintenant, je suis pas tout à fait sûr qu'ils descendent. Pour l'auto, je pense que ça va être quand même compliqué, même s'ils font pour l'instant un meilleur début de saison que Cofidis. Ils ont pas mal de retard, mais ils sont certes que 169 points en fait derrière Cofidis, mais je suis pas sûr qu'ils aient la densité d'effectifs justement qui leur permettra de marquer suffisamment de points, à moins de surprises en fait, comme Arnaud Delis qui fait un beau début de saison et qui pourrait être la révélation de l'équipe. Faudra vraiment voir, mais clairement, les deux équipes qui n'ont pas du tout la faveur des pronostics, et même pour moi maintenant, c'est Lotto et Cofidis. Oui. Alors justement, si jamais Cofidis se sauvait, Greg, et ça va rejoindre ma question, le commentaire de G8 Vélo, qui voit aussi peut-être une des deux se sauver, et lui, il ne croit pas en Israël Première Tech. S'il y en avait une qui devait sauter de ce top 18, est-ce que c'est aussi pour toi la formation israélienne? Bah, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé depuis le début, mais Vivienne aussi, par exemple, il y avait Michael Woods qui était engagé sur l'Andalousie, il me semble, et qui a abandonné déjà. Donc je parlais en fait dans une autre émission d'Israël Première Tech qui a des leaders vieillissants et dont on ne sait pas trop quoi attendre. Et bah, là, c'est déjà un coup un petit peu dur, on va dire. Et une mauvaise surprise, et c'est vrai que pour l'instant, depuis le début de saison, ils n'ont pas forcément marqué énormément de points, même s'ils ont quand même quelques résultats intéressants. Et c'est une équipe qui peut éventuellement être mise en danger si jamais elle part dans une spirale un peu négative. Après, il y a d'autres choses assez intéressantes dans cette équipe et qu'on ne voit pas forcément, c'est certains points marqués un peu sur des fronts secondaires qu'on ne voit pas du tout, genre les classements généraux de Ben Hermans sur des courses un peu au fin fond du monde et qui rapportent pas mal de points. Et il faudra voir si on arrive à cumuler en fait suffisamment de points sur ces fronts secondaires et sur le World Tour pour voir ce que font les gars comme Fuglsang et compagnie. Mais c'est sûr que l'équipe n'est pas mathématiquement sauvée du tout, en fait. Donc, elle pourrait être concernée par la lutte toute la saison et elle n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ouais, alors on va passer à la suite parce que forcément, le nom des équipes, enfin l'identité en tout cas des équipes qui vont descendre, ça va jouer sur un autre classement, c'est le classement Pro Team. Parce que vous savez bien entendu, si vous suivez l'actualité
du vélo à fond comme nous, et je pense que c'est le cas, que les deux premières formations Pro Team sont automatiquement pardon, qualifiées pour les trois grands tours de la saison suivante. Donc cette année, c'était Alpecin Phoenix et Arkea Samsic. Mais petite subtilité du règlement UCI, si jamais, comme c'est là le cas à l'instant, hein, si on a une image figée du classement pour la course au World Tour, donc si jamais ça restait en l'état, Cofidis et Lotto Soudal iraient en Pro Team l'an prochain, donc en seconde division, et ils seraient automatiquement pardon, intégrés à ce classement Pro Team en vue de la saison prochaine. Alors désolé, c'est un petit peu technique, mais en gros, ça veut dire que quand on va regarder là, le classement Pro Team et la lutte entre bas toujours, hein, suivant qui va gagner, Arkea, Alpecin, etc., Total Energy aussi, mais aussi UnoX, et ben, il faut intégrer à ce classement Cofidis et Lotto Soudal. Donc ça veut dire que l'an prochain, on aura une lutte, si jamais ça reste en l'état, entre Lotto Soudal, Cofidis, Total Energy et UnoX. Et là, Greg, c'est intéressant, parce que même si j'ai pas mis le total de Total, justement, pardon, et UnoX, on voit que tout se tient dans un mouchoir de poche, parce que Lotto Soudal a 667 points, Cofidis 484, ça doit être environ 400 pour Total, et je crois que c'est 500 et quelques pour UnoX. Ouais, c'est ça. Donc, malgré le fait que les équipes Cofidis ou Lotto Soudal, par exemple, si jamais elles venaient à descendre, ce qu'on ne leur souhaite pas, elles seraient concernées déjà toute la saison 2022 sur une lutte de points entre elles et avec les adversaires directs. Et en plus, il faut quand même regarder ce qui se passe parmi les principales pro teams qui n'ont aucune chance de monter en World Team l'an prochain, mais qui ont quand même, qui ont quand même une chance de se battre pour les wild cards pour les grands tours et pour les principales courses du World Tour l'an prochain. Et il faudra s'assurer d'être malgré tout devant ces équipes-là au cumul des points UCI à l'issue de la saison 2022, puisqu'autrement, ça pourrait être une double peine et non seulement descendre en Pro Team et en plus se faire avoir des wild cards qui passent sous le nez pour les principales courses de la saison prochaine. Ouais, parce que Greg, ça pourrait être un scénario archi-catastrophe en fait. Bon, on sait que les managers sont quand même très au fait des règlements, enfin la plupart d'entre eux en tout cas, et qu'ils observent les choses avec attention. Pour Cofidis et Lotto Soudal, si on était vraiment lâché dans la course au World Tour, faut absolument pas lâcher les points à partir du mois d'août. Parce que bon, pour UnoX, hein, j'y crois pas, parce que je pense pas qu'ils aient la densité nécessaire pour tenir ce rythme-là tout au long de la saison. Mais si jamais ils se faisaient passer par Total et UnoX, justement. Eh bien, ça veut dire que l'an prochain, il n'y a pas de grand tour pour ces deux formations, ce qui serait une catastrophe sur le plan économique et sur le plan sportif. On peut imaginer que Cofidis, grâce au système des invitations, serait sauvé pour le Tour de France, mais pour Lotto Soudal, ça peut vouloir dire une saison sans Giro, sans Tour de France ou sans Vuelta. Ouais, c'est certain, et d'autant plus pour Lotto Soudal qu'on est quand même, qu'on perd Soudal, il me semble, à la fin de la saison 2022 déjà. Et ça menace, pour moi, ça menacerait directement l'équipe de disparition, tout simplement. Donc, c'est vrai que ce serait vraiment une chose à surveiller. Ce serait, enfin, pour l'instant, il faut un début de saison très correct, mais il faut quand même pas perdre de vue qu'il faut marquer pas mal de points cette saison, y compris si on a aucune chance de se maintenir en World Tour. Il faut quand même vraiment regarder ce qui se passe derrière avec Total Energy notamment, qui a quand même un effectif très intéressant au niveau, non seulement pour les classiques avec Peter Sagan qui est arrivé et qui sera normalement très fort aux côtés de Turgis. On a même un beau Aston Hagen qui est retrouvé. On a Pierre Latour qui fait des bons résultats sur les courses à étapes. C'est une équipe qui, à mon avis, est dangereuse au niveau de, enfin, qui est dangereuse pour Lotto Soudal et pour Cofidis pour le classement en fait à l'issue de cette saison. Alors, je vois Joyeux du Nil qui nous met un commentaire qui est intéressant parce que c'est vrai que Cofidis est sponsor de la Vuelta. Mais moi, je serais très très vigilant et Greg, tu nous donneras ton avis aussi après parce que c'est vrai que c'est une réflexion très intéressante. Je pense que pour Cofidis, même avec l'apport du sponsor, la Vuelta serait pas assurée parce que bah, vous le savez très bien, en Espagne, il y a quatre formations pro team, donc Euskaltel-Euskadi, Burgos Biatch, Cara Rural et la dernière c'est Kern Pharma. Et déjà, il y a deux de ces formations qui vont sauter cette année. Et l'an prochain, si jamais Cofidis rentrait dans la lutte et que les organisateurs du Tour d'Espagne
les prenez, ça veut dire qu'il y aurait trois formations espagnoles qui sauteraient, Greg. Et ça, on a quand même un peu de mal à imaginer les organisateurs d'un tour national se passer de pas moins de trois de leurs équipes phares. Ben ça, c'est sûr que ce serait une catastrophe un peu pour toutes les pro teams espagnoles. Donc, ce sera vraiment des choses à surveiller pour la saison prochaine. Je pense que d'ailleurs, les organisateurs de la Vuelta n'espèrent surtout pas que Cofidis descende en pro team l'an prochain pour ne pas avoir à faire ce choix. Enfin, vrai, ce sera vraiment à voir pour l'an prochain, mais clairement, oui, c'est vrai que Cofidis sponsorise la Vuelta. Cofidis est sur la Vuelta depuis maintenant pas mal d'années, y compris quand il n'était pas en World Tour d'ailleurs. Donc, ouais, ce serait vraiment une décision compliquée à prendre, mais ce serait vraiment une menace en fait pour les pro teams espagnoles et même pour le calendrier de la Cofidis en même temps. Ouais, puis Greg, il y a beaucoup d'enjeux. Par exemple, l'an dernier, le Tour d'Espagne partait de la province de Burgos. Donc là, même si Cofidis est sponsor, tu es obligé de prendre Burgos. Cette année, c'est le Pays Basque. Tu es obligé de prendre Euskaltel. Parce que j'imagine que le deal aussi avec les autorités locales qui mettent un paquet de pognon, c'est de dire bah oui, d'accord, on met l'argent, mais vous avez plutôt quand même intérêt de prendre notre équipe locale, quoi. Bah, c'est sûr, et puis c'est sûr que si certaines équipes ne sont pas prises, alors que certaines régions alignent quand même pas mal de moyens, ça fera des candidats de moins potentiellement pour organiser certains départs, certaines étapes pour les années suivantes. Donc, ce serait clairement une mauvaise chose. Après, on sait très bien qu'il y a certaines régions ou certains même pays étrangers qui sont intéressés pour organiser un départ de course ou certaines étapes, mais je ne pense pas non plus que l'avenir d'une Vuelta, par exemple, serait de faire 5 ou 6 étapes à l'étranger. Je pense quand même qu'on compte sur le soutien de certaines régions importantes du cyclisme local. Et clairement, on a besoin des Pays Basques, on a besoin de Burgos notamment, on a pas mal besoin de la Navarre aussi. Et je pense qu'on va compter sur des invitations le plus possible, en tout cas des pro teams espagnoles. Autrement, elles seraient également menacées de disparition à terme à rater systématiquement la Vuelta. Alors avant de te poser la même question que tout à l'heure pour les équipes World Tour, Greg, je prends la question, la réflexion de Stéréo, que je salue par la même occasion. Il nous dit que Kern Pharma sera sur la Vuelta cette année. Oui, apparemment, c'est plus ou moins fait. Euskaltel aussi. Et je ne sais pas si vous avez lu l'info sur les réseaux sociaux, mais il y aurait une réunion dans quelques semaines ou dans quelques jours au siège de l'UCI pour valider ou non une possible dérogation concernant une 23e équipe sur le Giro et la Vuelta. Donc le Tour de France n'est pas concerné, de toute façon ils ont déjà donné leurs invitations. On l'a dit, c'est BNB Hotel et Total Energy qui seront conviés. Mais il y a une réflexion qui a lieu en ce moment et ben, on verra justement si on peut sauver entre guillemets une 3e équipe espagnole et aussi une 3e équipe italienne en leur permettant de participer à leur grand tour. Donc, bah ouais, dernière question, Greg, et j'en profite aussi avant parce qu'il y a quelques rendez-vous cette semaine et je voudrais les donner rapidement avant de te donner la parole. Ce soir, on organise un quiz à 19h via QuizKit pour les habitués du quiz d'Acaillon. Il y aura un bouquin à gagner pour le vainqueur, donc n'hésitez pas à venir et bah je ferai parvenir au vainqueur du quiz, le livre en question. Je vous donnerai les détails tout à l'heure, hein, un peu avant 19h. Et rendez-vous aussi dimanche à la même heure, toujours 19h, pour la sortie du dimanche. Et je retourne au sujet, Greg, avec la photo figée qu'on a là. Quelle équipe, enfin, quelles sont les deux équipes pour toi qui termineront en tête du classement Pro Team à la fin de la saison 2022? Au niveau des équipes pro team, je vois bien Total Energy finir en tête. Alors En après, incluant Cofidis et Lotto-Soudal, hein, j'entends. ah oui, en incluant Cofidis et Lotto-Soudal, sur le cumul, tu entends, ou uniquement sur la saison 2022? Sur 2022, sur le classement où on aurait Cofidis, Lotto-Soudal, une X et Total Energy. Ouais, c'est assez compliqué d'avoir un avis.
tente Je laisse de dire. réfléchir, du coup je donne le prono de Stéréo pendant ce temps-là et je vais donner le mien aussi. Stéréo, il voit Lotto et Cofidis premier par équipe si jamais ils descendent, bien entendu. Bah, je donne le mien également. Bah, c'est pas évident, mais moi je vois Lotto Soudal et Total Energy. Donc, sans ouais, grande certitude, hein, j'entends, mais. Ouais, je vais prendre un pronostic inverse en espérant leur souhaiter de la réussite. Et je vais dire Cofidis en première position devant Lotto Soudal et Total Energy juste derrière. Ouais, alors je vois une OX, j'ai vu de vélo qui nous donne son classement. D'ailleurs, j'ai vu de vélo qui tient un site avec une mise à jour très régulière aussi sur la course au World Tour, c'est très intéressant. Et G8 Vélo nous donne une OX, enfin les points d'une OX, donc 533 et 397 pour Total. Donc sachant que Lotto Soudal a 667 et Cofidis 484, vous avez eu, j'allais dire, pardon pour l'anglicisme, une photo globale de ce classement. Et ça permet d'avoir un vrai aperçu. Donc Greg, je te redonne la parole du coup pour le classement. Oui, donc j'espère un gros réveil un gros réveil mais à venir en tout cas pour les prochaines courses de Guillaume Martin qui permettrait de bien lancer Cofidis. Mais oui, je vais miser un peu sur Cofidis devant Lotto et Total Energy, un peu dans un mouchoir de poche. Une OX fera une très bonne saison, je pense, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour en tout cas sur la durée être devant au nombre de points. Je les vois faire une belle saison sur le circuit continental, mais ça ne marquera pas assez de points malgré des gros résultats pour être devant les autres formations. Ouais, je pense comme toi pour une OX, à mon avis, ça va être compliqué sur la durée quand il y aura des gros points en jeu, notamment avec des Peter Sagan, des Anthony Turgis, il y a quand même des gros scoreurs dans les trois formations qu'on a citées. Et en troisième, bah, je vois aussi Total Energy, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure. La troisième place, comme le précise très bien Stéréo, donne accès à toutes les courses d'un jour du calendrier UCI World Tour. Donc c'est aussi, il y a aussi un enjeu par rapport à cette troisième place. Enfin, tout ça est un peu compliqué, mais à force de nous écouter, je pense que vous avez une plutôt bonne idée de comment fonctionne ce classement qui passionne pas mal de monde. Ça débecte aussi pas mal de monde. Je crois qu'il y a des gens qui en ont absolument marre d'entendre parler des points et qui voudraient se concentrer sur le sportif. Ouais, alors après, c'est vrai que c'est une lutte qui peut être à la fois passionnante et énervante, on va dire, pour d'autres. Et clairement, ouais, ça fait un peu une hiérarchie entre les équipes. Et d'un autre côté, en suivant la lutte de près, on peut aussi s'interroger sur l'attribution de certains points, si les calendriers sont bien faits ou si si les courses rapportent le bon nombre de points, si c'est juste. Enfin, personnellement, je trouve que certaines courses attribuent vraiment beaucoup trop de points par rapport à leur niveau. Mais d'un autre côté, c'est aux équipes de bien structurer leur calendrier, de mettre les bons coureurs sur les bonnes courses. Et ça va être, c'est toute une stratégie en fait à adopter pour marquer le plus de points possible, quitte pour certaines équipes à délester certaines grandes courses ou en tout cas mettre des startlists de seconde zone pour aller faire des énormes résultats sur les plus petites courses World Tour ou sur des courses continentales qui rapportent pas mal de points finalement. Ouais, alors je crois que pour conclure, G8 Vélo nous donne la bonne conclusion. Le barren UCI est pas top, effectivement, on est beaucoup à s'entendre là-dessus. Je crois que c'est un peu une constante malheureusement depuis quelques années, parce que c'est vrai que tu évoquais Brian Cocquart, Greg, au début. Elles sont magnifiques, ces deux victoires. Brian Cocquart, il n'avait pas levé les bras depuis 18 mois. Il gagne à Bessèges, il gagne à la Provence, devant Alaphilippe et Ganna. Et au final, on se retrouve à dire, bah ouais, c'est pas terrible, parce qu'il marque que 14 points à Bessèges, et je crois 20 et quelques à la Provence. Donc on ne veut pas du tout minimiser. Hein. C'est pour ça qu'on fait des émissions vraiment spécifiques sur le classement UCI, Greg, parce qu'on ne veut pas trop, pendant la sortie du dimanche, vous barber avec ça et vraiment se focaliser un peu plus parfois sur le sportif, quoi. Ouais, c'est ça. Et Cocquart, justement, puisqu'on en parle, il fait un super début de saison. Il a un niveau largement supérieur. Enfin, en tout cas, il a une énergie retrouvée, une motivation retrouvée. Ah, j'étais un peu faible, Greg, je crois. Ah, pardon.
Donc je disais qu'il avait une énergie retrouvée, une motivation retrouvée pour faire des gros résultats cette saison. Et malheureusement, en termes de points UCI, c'est pas récompensé et ça fait qu'il ne marque pas beaucoup de points UCI. Alors ça pourrait être peut-être corrigé sur le reste de la saison lorsque les courses d'un jour rentreront en scène ou des courses par étapes qu'il peut éventuellement jouer, placé, type 4 jours de Dunkerque par exemple, ou des courses comme ça, où il peut jouer éventuellement un général potable. Sur des courses comme ça, on pourrait éventuellement justement relever son niveau de points UCI et faire une saison très efficace en termes de points, mais clairement, bah, il fait un très bon début de saison et en fait, ça ne suit pas au niveau des points pour l'instant, en tout cas dans son équipe. Tout à fait. Alors, sur ces belles paroles, on va pouvoir conclure. Je rapporte juste vite fait les commentaires de G8 Vélo qui nous dit que la sixième place de Coquard à la Marseillaise lui rapporte plus que ses deux victoires, c'est vrai. Et Stéréo qui nous dit que les Grands Prix canadiens, donc Québec et Montréal, donnent plus de points que le général du Tour du Pays Basque, ce qui est également correct. Donc, bah Greg, il me reste à te remercier. À te souhaiter une bonne journée ainsi qu'à tout le monde. Et puis ouais, on se donne rendez-vous. Toi, malheureusement, je crois que tu es au boulot ce soir, donc tu ne seras pas là. Mais quiz à 19h, je prendrai l'antenne plus tôt. Parce que vous vous rappelez, hein, si pour le quiz, il y a toujours un truc par rapport à QuizKit. Il faut s'assurer que tout le monde ait bien son pseudo. Donc je serai là, je pense, dès 18h40 ou 18h45 pour prendre vos questions et m'assurer que tout roule. D'un point de vue technique, donc bah merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Merci Greg et bonne journée. Merci à tous, salut.